L'agilité est un sujet aujourd'hui fortement discuté, il est documenté sur un plan théorique. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses dessus. Je pense qu'il est temps de passer à la pratique. Beaucoup d'entreprises essayent de s'y engager sur ce chemin et c'est pas simple. Et donc il faut absolument aujourd'hui pouvoir accueillir les pratiques, les expériences. Et euh, je pense qu'il est temps de pouvoir accueillir à la fois euh, leurs expériences, leurs ressentis, leurs retours, afin de les partager et faire surtout pour moi quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est donner du sens à ce concept qui est encore un peu abstrait. Ce qui est important avec l'agilité, c'est qu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui remet en cause beaucoup de choses à l'intérieur de l'entreprise. Ça remet en cause à la fois la place de l'individu, ça remet en cause le management, ça remet en cause les outils qui sont associés au management. Ça met aussi en cause un peu la, la façon de penser les organigrammes. Les hiérarchies qu'aujourd'hui se réinterrogent sur leur utilité et sur leur capacité à créer de la valeur. Le coaching est, un, est une pratique, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique qui permet d'accompagner véritablement les individus à se... Je dirais à se questionner, à pouvoir aussi prendre du recul, à changer de, de façon de penser, de façon d'être, et donc de pouvoir écrire une feuille de route qui puisse être, je dirais, vierge. Et donc euh, finalement, le coaching et l'agilité sont très liés parce que le coaching est peut-être un outil essentiel à la transformation des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, accueillir le coaching comme une pédagogie de l'agilité est un moyen, à coup sûr, selon moi, de permettre aux individus de se confronter régulièrement à écrire une nouvelle feuille, une feuille de route qui puisse être à partir d'une feuille blanche et réfléchir sur leur capacité à pouvoir innover, coopérer, pouvoir aussi anticiper, se transformer par rapport à des modes de pratique qui étaient un peu antérieurs. Et aujourd'hui, il faut envisager de façon différente. Et le coaching permet, en tout cas aujourd'hui, en termes de, de pédagogie, de pouvoir se créer des espaces-temps à l'intérieur des organigrammes. Et ces espaces-temps sont en fait autant de chrysalides qui permettent à chacun de pouvoir véritablement réfléchir sur ce ce qui peut être et se devenir. Et donc ces espaces-temps, ça permet en fait à l'entreprise de pouvoir cocooner, entre guillemets, plein de managers agiles et des individus agiles qui seront demain les véritables valeurs ajoutées de l'entreprise.